déjà 7h dans tout studio télévision nationale d'Haïti, Delma 33, Port-au-Prince Haïti. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous aujourd'hui matin pour capable présenter au deuxième sortie journal là pour semaine. Déjà nous souhaitons passer un très bon mardi sur télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points qui a dominé l'actualité, Rennes, Espagne, a rentré dans le pays d'Haïti jeudi, mardi 22 mai pour une visite officielle. Rennes, Espagne, a bien pour capable visiter divers projets de coopération pays financés par Boïsita, d'après porte-parole la présidence haïtienne, Tamara Orion. Ministre communication Guilherme Delva réagit une autre fois encore sur augmentation prix gaz là dans pays d'Haïti. Ministre rappelé c'est mon qui gagne plus moyen yo qui bénéficie subvention l'état haïtien. Ministère défense en tête collée avec une délégation militaire mexicaine lancé hier lundi 21 mai un atelier de travail qui a duré 3 jours pour réfléchir sur le renforcement force l'armée d'Haïti. Et puis à l'étranger, bilan vin pilou dans pays Kiba après un avion te fin crasé vendredi passé. Yon rescapé yo qui était sous cabane à l'hôpital mouri hier lundi, ça qui fait 111 moun qui perdent la vie yo dans catastrophe c'est là. C'est point ça yo. À quelque n'a développé pour dans journal là, n'a pas de pas déplacer n'a tourner. Merci pour fidélité et attention, nous retournons pour développement information yo. Et nous te dit dans grand titre Rennes Espala Laetitia Ortiz a visité pays d'Haïti à partir jeudi mardi 22 mai 2018 là. Porte-parole présidence Tamara Orion précisé Rennes a bien pour être capable visiter plusieurs projets coopération espagnole financé par Boïsita. Tamara Orion a participé à l'émission mise au point hier matin avec Serginho Lindor. Nous sur l'explication. C'est une invitation qui est lancée à Rennes et Rennes répond favorablement pour les capables de venir visiter et l'a gagné pour les rencontrer avec plusieurs représentants, agences avec ONG et espagnols. Côté la bien pour le présider, on rencontre la bien tout pour les visiter des centres d'accueil dans le pays, un centre éducatif sur Saint-Vincent de Polio. La bien tout pour les rencontrer avec femmes qui bénéficient plusieurs projets de nutrition pour tout le monde. Et en fin d'après-midi, il y a pour ce voile, coup présidentiel, la pour ce voile dans le palais national pour un cocktail de bienvenue. Et avec première dame république, là, reine Laetitia Ortiz, pour le gagner pour les capables de discuter sur question situation femme, il n'y a pas bon ici. Question éducation avec la santé qui c'est une priorité première dame république là, parce que tout le monde avec femme c'est priorité et première dame là, tout travail que y a fait articuler autour de deux monde ça yo et c'est pas une belle visite parce que je dis c'est pas parce que il y a une catastrophe qui fait que reine n'a vienne visiter pays hein l'a vienne visiter pays hein dans contexte côté gagne une stabilité politique et l'a vienne garder comment li wè Haïti a, elle va permettre que li parlons l'autre gens tout de Haïti. Parce que chaque fois yo parle de Haïti, c'est la grande catastrophe, soit un cyclone, soit un tremblement de terre, ou bien soit gagné un problème politique donné. Yo parle de Haïti, mais aujourd'hui, on leur gagné une opportunité pour recevoir une royauté qui vient visiter pays ou là. Et bien, le rivel va le gagner pour lui discuter avec moun que la parle, mais qui ça le wè pas bon ici. Mais comment que pays ça li même li est touché que parce que Haïti, en dépit de tout bagarre moun ka di de li, nous sommes peuple qui connaît recevoir moun, nous connaît comment nous recevoir moun, et le nous a parlé avec moun qui vient visiter nous, nous gros effet que nous fait sur yo. Déjà, pour tout moun de souhaiter Ren Ortiz bienvenue, Ren Laetitia bienvenue, parce que je dis, hein, c'est une belle opportunité pour nous gagner des moun, des personnalités comme ça qui viennent visiter Haïti dans un contexte spécial. Est-ce que vous parlez tout dans la logique de renforcer la coopération espagnole là et en Haïti? C'est ça que fait Rennes Bralguin pour lui rencontre fond, lui-même il va le présider, il rencontre ça avec coopération espagnole pardon, et l'autre ONG qui a travaillé dans la question ça pour être capable de garder comme capable de renforcer et coopération. Parce que l'heure ou deux, yo, et Serge nous les doit pisser, des représentants qui ont comment le pays, mais comment le pays, vient garder ou même, ou bon l'autre image, ou bon l'autre idée. Qu'on fait de lui. Est-ce que l'autorité haïtienne, tout, il y a des bagages particuliers, vous souhaitez
discuter avec Rennes pendant le passage en Haïti. Et évidemment, le président Célébral a pour lui rencontrer avec Rennes Laetitia Ortiz, c'est première dame république là, lui-même l'a gagné pour lui rencontrer avec lui. Ça fait me dire qu'avec première dame, il a bien pour discuter sur la situation famille en Haïti, éducation avec santé et Timounio, qui c'est une parmi priorités que première dame république a gagné. Information après poursuivre, le ministère de la Défense en collaboration avec une délégation militaire mexicaine qui gagne en tête le général brigada Porfirio Fuentes lancé lundi 21 mai en 3 journées de travail dans Port-au-Prince, capitale haïtienne. Journée de travail ça a pour objectif de mettre en base une coopération pour développer force l'armée d'Haïti, d'après ministre de la Défense Hervé Denis. À nous suivre extrait. Nous avons préparé un livre blanc et la dernière, il y a toute une série d'actions qui doit entreprendre. Et donc, pour que l'armée soit une armée au service du développement. Et c'est dans la logique ça que nous avons les Mexicains qui ont une grande expérience, notamment au niveau militaire, notamment en question de combattre les catastrophes naturelles. Et nous avons le Mexique tout le temps, il y a un tremblement de terre, et nous avons des gros cyclones d'eau. Donc, ils ont une très grande capacité pour répondre aux défis de ces catastrophes naturelles. À part ça, traditionnellement, Mexique, l'armée mexicaine est très bien vue de la population. Donc, pour nous, cet objectif, ça autour, nous avons atteindre avec l'armée d'Haïti, que ce soit en force de développement, qui participe dans le développement pays, et que toute population, déjà nous connaissons une population en très soif de l'armée en Haïti, mais nous avons fait encore plus pour que l'armée ça, son armée que l'homme nous est lié, c'est un pile respect, un pile amour, parce que après le travail aussi pour participer dans le développement pays. C'est-à-dire, nous avons déjà des recommandations qui ont été faites dans le livre blanc. L'armée mexicaine a venu pour capable de battre nous et possiblement la capacité que nous sommes capables de renforcer, vous voyez, notre doctrine nouvelle qui est une doctrine au service du développement. Bon côté parlé, général Jodel Lesage, qui est commandant en chef force l'armée d'Haïti, qui a joué travail avec délégation militaire mexicaine, a très bénéfique pour force l'armée. Dans le dialogue, autorité défense haïtienne est capable de bénéficier expérience à l'armée mexicaine dans la question gestion environnement. Allons suivre. Votre présence ici est d'autant plus appréciée. Elle survient à un moment. Justement, nous sommes en train de reconstruire notre armée qui était dysfonctionnelle depuis plus de 20 ans. Et à la veille de la saison cyclonique, il nous tarde d'être fonctionnel pour être très utile à la population haïtienne le plus vite possible. Par exemple, en prévenant et en limitant les dégâts des désastres naturels et en apportant des secours à cette population qui est là, qui est chef. Nous savons très bien que vous avez beaucoup d'expérience dans ces domaines. C'est pourquoi nous apprécions beaucoup votre accompagnement. Information après poursuivre sous TNH, président République la Jovenel Moïse visite l'île Avache pendant le week-end passé pour garder dans quel niveau avancement travail et construction aéroport international l'île Avache là a avancé. Chef l'État a gagné ensemble avec les députés Kay l'île Avache là, Clovis Robassa, et ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Fritz Kayo. Projet construction aéroport a été lancé sous administration président Martelly. Dans l'occasion, chef l'État Jovenel Moïse renouvelé engagement là pour capable mettre courant de l'eau à côté pour faciliter et puis améliorer conditions
la vie population. Reportage Falanda Delphine avec Jean-Naël Duvernay. Projet ça a été lancé sous administration président Martelly-a dans objectif continuité l'État. Président Jovenel Moïse fait visite ça sous Iléa pour qui j'en travaille construction aéroport qui a commencé avant caravane changement quitter département sud là. Développement n'a pas l'air, c'est notre continuité, notre continuer faire ça qui bon que nous avons. Si un gouvernement passe le fond bas qui bon, c'est continuer pour continuer faire. Je ne veux pas qu'à président Martelly pas qu'à même soit l'initiation par la fait projet ça et puis pour m'éliminer le travail. C'est pour nous travailler. Même j'en ai même c'est pour nous travailler. Peut-être qu'il y a des petits problèmes d'explication des gens que bah ils ont été faits, mais je vous dis à moi-même, nous allons corriger tout ça qui est corrigé pour nous participer ensemble. Dans tout le monde, nous voyons agir clair. Projet ça a coûté 19 millions de dollars. Il y a 4 millions 800 000 dollars qui déjà versé par les compagnies qui ont pour exécuter le projet ça. Le travail au poste a été ouvert là. Nous avons négocié avec la compagnie. Parce que je me dis, nous avons déjà accompagné, nous avons gagné 4 millions 800 000 dollars déjà, mais à Aéroport a pris 19 millions de dollars. Nous allons faire une réunion avec lui, ok? Pour nous voir comment, dans le niveau de l'État, pour nous donner un moyen, pour nous engager. Parce que nous disons, piste là, pourquoi nous avons une piste là 1700 mètres? Nous avons une piste là 2400 mètres. Projet piste atterrissage à l'aéroport international Ila Vachla a dû mesurer 1700 mètres. Président Jovenel Moïse souhaitait l'y agrandir pour permettre Ila Vache recevoir avion qui capotait jusqu'à 200 mounes. Nous parlons au niveau du Parlement haïtien, soumissant n'importe quel prince, puisque il y a un député circonscription porte-à-pied Daniel Le Temps, qui fait partie du bloc parlementaire Alliance pour le progrès d'Haïti, APH, lui fait qu'on n'est pas d'accord avec l'idée pour le gouvernement de monter le prix gaz là sur le marché local. Là. Selon parlementaire, l'augmentation du prix gaz là prend la cause. Tout leur produit première nécessité ont monté, alors que la situation de la population à vivre journée aujourd'hui pas répondre à l'augmentation du prix produit première nécessité. Devant la situation, le parlementaire a demandé au gouvernement haïtien pour ne pas augmenter le prix gaz là. Confident, confident, à Daniel Théodore est sur place en un second extrait. Le gouvernement a l'idée pour augmenter le prix gaz là dans le pays. Une fois le prix gaz a augmenté, nous-mêmes nous désolidarisons nous avec la décision qui va le prendre. L'augmentation du prix gaz là, il va avoir un effet sur l'ensemble d'activités qu'a fait dans le pays, notamment la circonscription de Port-à-Piment, parce que depuis le prix gaz a augmenté, le coût taxi moto, le coût machine, le prix manger, le prix produit premier nécessité, tout va augmenter. Sur la question du prix carburant, nous pensons que augmenter le prix carburant, ça peut avoir un éclatement social dans le pays. Et pas seulement à Port-au-Prince, dans la ville de province. Je dis à leur député qui arrive dans la circonscription, c'est comme si une manifestation gagne à travers côté cahier député à ou bien côté cahier sénateur. Ça fait ça. Parce que tout le monde est en grand goût. Tout le monde a demandé pour député à ballon 1000 gouttes, ballon 300 dollars. Tout le monde a une activité. Il a créé pour être capable de venir côté député à parce que vous pas joindre le gouvernement. Parce que nous-mêmes, comme députés, comme parlementaires, c'est nous-mêmes qui avons un rapport de proximité avec la population. Population, eh bien, doléances, désidérata, c'est nous-mêmes qui venons joindre matin, midi, soir. En ce sens, nous pensons que le gouvernement a regardé côté lui-même, il est capable de joindre l'autre corps pour lui mettre sous prix gaz là pour permettre que la population ne parle pas de contre. Merci beaucoup. Dans une conférence spéciale dans le ministère de la Communication, hier lundi 21 mai, le ministre Kilti et Communication Joseph Guilherme Delva parle une autre fois encore sur le dossier ajustement prix gaz là sur le marché local. Le ministre a expliqué selon étude qui fait 93% subvention de l'État à bail pour gaz là, ajoutant 20% de monde qui gagne l'argent dans le pays. Ministre Guilherme c'est Delva mande population wa pa participer dans mouvement cap causer instabilité dans pays ya pendant renouveler engagement gouvernement pour capable travailler dans amélioration condition la vie population haïtienne. Yon extrait. Selon étude que gouvernement haïtien lui-même fait par rapport à chiffres que il gagne et par rapport à analyse qui fait de situation, nous réaliser que 90% de subventions que l'État a bail pour Gaza, la jeune 20% de monde qui est plus riche dans le pays.
comprendre bien ça bien là. Ça c'est chiffre que l'État haïtien selon analyse fait li baille. Mais Banque mondiale dit nous li plus grave que ça. Banque mondiale dit nous c'est pas 90%, c'est 93% de COB l'État perdu sur question prix Gaza. Les subventions licences faites dans la question prix Gaza, selon la Banque mondiale, 93% là-dedans, c'est 20% de monde qui est plus riche dans le pays que la jeune. C'est pas peuple haïtien qui est plus gros bénéficiaire de subventions que y a bail là. Ça, je veux dire, son petit grappe d'ail. Vous comprenez? Son petit grappe d'ail qui n'est pas vraiment utile grand-chose. Si nous continuons à subventionner Gaza, prix Gaza pour les gens qui achètent, et nous disons ça déjà. Les gens qui en bas, qui besoin d'aide de l'État sur le plan social pour prendre souffle, pour avancer et pour qu'un investissement qui fait tout pour permettre que l'État joue un moyen pour l'investir, pour créer cadre, pour gagner emploi, pour gagner croissance économique, pour le peuple haïtien capable de nous souffle, si que nous continuons financer prix Gaza, j'en ai fait là, eh bien, c'est plus tracas, c'est plus tchouboum qui pourrait gagner pour la population qui a même besoin d'aide l'État. Kounya la gade, programme qui a mis en place là, qui a renforcé, pour que le peuple haïtien capable de jouer nos soulagements, pour que nous touchions directement. Dans le programme social, al gade pour où ça commence à être là, vous avez des ministres affaires sociales là, Madame Auguste qui parlait de ça déjà, et programme ça nous connaît là déjà, mais qui a renforcé et des mises en place qu'a fait là pour arriver jusqu'à un nombre de plus de 700 restaurants communautaires par exemple à travers le pays. Mais avec qui ça pour le fait? C'est le l'État lui-même gain recette avec recette l'État, il peut investir dans restaurants. Message me devait bah je dis là c'est pour peuple haïtien. Pour nous dire population pas entrer. Tendez bien ça m'a dit non, parce que moun k'a fait nous, k'a monter tête nous pour aller entrer dans mouvement qui va mettre qui vous mettre instabilité dans le pays pour faire que justement effort de construction qu'a fait là pour pas qu'a fait le ça c'est vous-même qui va le victime pas coûter aucun groupe qu'a dû aller prendre la rue pour question de prix gaz moun ça qu'a parler avec gaz dans poche lui-même bon garantir ça avec gaz dans poche il pas de problème gaz lui-même moun qu'a dû aller la rue pas de problème gaz lui-même gaz dans poche lui donc ou même pas à l'entrée dans le système dans mouvement ça. Parce que ce n'est pas pour la bonne. Et le président de la République, Jovenel Moïse, Premier ministre Jacques Lafontaine et tout le gouvernement, premier souci, c'est le peuple haïtien, c'est masse peuple qui est dans une situation défavorisée depuis combien de temps. C'est le premier objectif pour nous retirer dans cette situation. Ça. Député circonscription Limonade la Tanius Tertius lance un appel à bay gouvernement pour capable faire intervention li dans dossier qui mettait bab pour bab population Limonade la accompagne qui bay courant dans commune ça NK qui d'après lui augmenter bordro courant parlementaire fait connait un bon parti dans population a manifesté dans la rue pour capable exprimer désaccord par rapport à décision si là Enrica c'est une compagnie électricité qui bail courant dans quatre communes dans département nord-est là parmi eux Limonade un extrait dans déclaration dans micro Fidler confident avec Moïse Ulbrich jodi a nous intervenir pour nous capable dénoncer un abus que compagnie Enrica a fait mon limonade que mon limonade yo aux abois chaque mois il a fait au payer courant mes grossesses et puis pas même gain service moi ça mon yo payer $1,000 on met tant dans mois dans l'autre mois qu'a venir payer $2,000 dans l'autre mois il a payer $3,000 ça veut dire que courant EDH là et courant Enrica dans limonade pas gain prix fait moun yo aux abois yo pas konn ki simple yo capable reler moi même comme représentant yo moi vini la jodi an pour me capable di responsable Enrica yo et pour me capable di tout président Jovenel pour capable di un mot nan bagay ça parce que situation dans limonade la moun yo pas ka kembel encore parce que moun yo pas gagné a fait
pas gen moyen ou pas gen cop et puis chaque mois il y a payé courant mégobi. Donc situation vraiment difficile que m'a annoncé président République là que limonade menacé gros danger. Gen en pile manifestation qui fait bon moun yo arrivé même pas même quitté magistrat commune nan prend la parole propre jour 18 mai parce que moun yo en colère, moun yo enragé, moun yo pas ka kembe encore. Donc faut que Enrika non bali tout espoir ça pour capable essayer régulariser avec moun libonadio pour capable faire moun yo payer ça yo doit payer. Enrika son compagnie qui te si un contrat avec l'état haïtien pour te mettre EDH dehors dans commune Limonade et compagnie ça il trouvait le Caracol, il trouvait le Autrou, il trouvait le Sainte-Suzanne, trouvait le Limonade. Donc ni mon Limonade ni mon Autrou, tout le monde aux abois parce que yo pas connaît combien, yo pas connaît comment il fait au payer pour ça, c'est calvaire fait mon monter. Et c'est là chapitre local la fin, mais nous prenons l'autre bord et nous te disons dans grand titre yon nan trois rescapés qui te rete après avion sa fin écrasé dans pays Cuba vendredi passé ya et ben moun sa li mouri. C'est une jeune fille qui a 23 l'année sous tête li qui t'a étudié ingénieur et ben ça fait bilan li monté à 111 moun qui mouri dans catastrophe c'est là Euronews pour plus de détails. L'une des trois survivantes du crash aérien survenu vendredi dernier à La Havane s'est finalement éteinte hier à l'hôpital. Gretel Landrov avait 23 ans, elle était étudiante en ingénierie et aimait danser le flamenco. Son décès porte le bilan de la catastrophe aérienne à 111 morts, la plus meurtrière sur l'île de Cuba depuis près de 30 ans. Pour l'heure, seules 36 victimes ont été formellement identifiées et un certain nombre d'entre elles ont déjà pu être enterrées hier. La Havane a également annoncé qu'une des deux boîtes noires de l'appareil avait été retrouvée en bon état. Dans le même temps, les opérations de la compagnie aérienne Global Air à laquelle appartenait le Boeing ont été suspendues par la direction mexicaine de l'aviation civile, le temps de procéder, je cite, à une vérification extraordinaire des normes de sécurité internationale. Iran avec un pays États-Unis continue à troquer cogno puisque il y a un président iranien lui-même qui réagit après déclaration secrétaire diplomate chef diplomatie américaine lui-même l'était fait côté l'était la gros menace sanction sur Iran et bien président iranien fait déclaration ça côté il dit qui est souillé pour capable décider pour Iran qui est souillé pour décider pour monde là. Euronews a bien plus de détails. Qui êtes-vous pour décider pour l'Iran le monde? Telle a été la réaction du président iranien Hassan Rouhani après les déclarations du chef de la diplomatie américaine qui a promis d'imposer à l'Iran les plus fortes sanctions de l'histoire. Mike Pompeo a même déclaré « L'Iran n'aura plus jamais carte blanche pour dominer le Moyen-Orient ». Rouhani a mis en cause la crédibilité du chef de la diplomatie américaine qui l'a placé, lui, le modéré sur le même plan que les durs du régime iranien. Peu après, le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a réagi via Twitter expliquant que les États-Unis reprenaient leurs vieilles habitudes et étaient prisonniers de leur politique ratée. Hier, Mike Pompeo a aussi lancé un nouvel avertissement aux entreprises européennes qui continuent de travailler en Iran, durcissant encore le ton après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien le 8 mai dernier. Ce à quoi la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a vivement réagi, répétant qu'il n'y avait pas d'alternative à l'accord de Vienne de 2015. Malgré la ferme position de l'Union européenne, les entreprises européennes pourraient rapidement se retrouver face à ce dilemme, investir en Iran ou commercer avec les États-Unis. N'a quitté Iran nous pour aller en Australie puisque il y a un archevêque catholique qui risquait passer 2 années dans prison parce que il était caché zaka sexuel pété qu'on fait sous Timon. Euronews pour plus de détails. Il est l'ecclésiastique le plus haut placé de l'Église catholique à être reconnu coupable d'avoir couvert des abus pédophiles. L'Australien Philip Wilson, archevêque d'Adélaïde, encourt jusqu'à 2 ans de prison, la sentence devant être prononcée en juin.
Âgé de 67 ans, il officiait comme prêtre à Maitland lorsqu'il avait été informé des abus commis par un autre prêtre sur un enfant de cœur. James Fletcher, condamné en 2004, était décédé en prison 2 ans plus tard. Philip Wilson affirme quant à lui ne pas se souvenir d'une conversation dans laquelle la jeune victime lui avait décrit les agressions, une version que le tribunal n'a pas acceptée. Et déjà 7h30 dans tout studio, nous arrivons au moment pour nous capables d'aller. Mais avant de nous dire bye bye, permettez-nous de rappeler un grand point qui domine l'actualité. Rien dans le pays espagnol après entrer dans le pays d'Haïti jeudi mardi 22 mai pour une visite officielle. Rien dans l'espagnol a bien pour nous capables de visiter divers projets de coopération pays financés dans le pays d'Haïti d'après porte-parole de la présidence haïtienne Tamara Orion. Ministre Kilti à communication Guilherme Delva réagit une autre fois encore sur augmentation prix gaz là dans pays d'Haïti. Ministre rappelé ces monde qui gagne plus moyen yo qui bénéficier subvention gaz à l'état haïtien. Ministère défense dans la tête collée à une délégation militaire mexicaine lancé hier lundi 21 mai un atelier travail qui a duré 3 jours pour capable réfléchir sur renforcement force l'armée d'Haïti. Et puis à l'étranger, bilan en vin pilou dans pays Kiba après un avion te fin crasé vendredi passé. Yon a 3 rescapés qui étaient sous cabane de l'hôpital mouri hier, ça qui baille 111 personnes qui perdent la vie dans la catastrophe. C'est pour ça que nous avons développé pour le journal. Nous sommes vraiment contents avec vous pour nous être capables de présenter vous. Nous souhaitons seulement passer un très bon matin sur TNH. Nous avons rendez-vous avec moi demain matin pour l'autre édition nouvelle. Bye bye tout le monde.